Voilà la saucisse au chou servie avec le papet vaudois. Pour la recette de la saucisse au chou, on va avoir besoin de 3 belles saucisses au chou, c'est-à-dire une par personne. Ensuite, on a besoin de poireaux et de pommes de terre. Avec ça, on va confectionner le fameux papet vaudois. Et puis, pour pouvoir faire ça, alors pour pouvoir faire le papet vaudois, on a besoin de bouillon. Et puis, on a besoin d'un ingrédient un petit peu secret qui se trouve juste là derrière, qui sont les couennes de fromage. Donc, on va utiliser les couennes de fromage ici pour pouvoir donner du goût à toute la sauce. Le poireau est émincé en petites tranches d'à peu près 1 cm de large. Et puis maintenant, je vais les faire revenir à la poêle. Donc les poireaux sont introduits dans une casserole assez importante pour que on puisse ensuite avoir les poireaux, les saucisses et les pommes de terre. J'ai mis les poireaux là à l'intérieur, je vais les faire revenir un peu. J'ai mis de la matière grasse, j'ai mis de l'huile, mais on peut aussi faire avec du beurre. Donc on va les faire revenir à feu vif, les réduire un tout petit peu. Et puis ensuite, on adjoindra le bouillon et les saucisses. Voilà, au bout de quelques minutes, les poireaux sont bien revenus. Bon, c'est le moment d'ajouter le bouillon. Réduire aussi le feu pour que ça mijote tranquillement. Et puis l'étape suivante, on va ajouter les saucisses. Et il va falloir les préparer avant de les ajouter. Donc ce dont on a besoin, c'est d'un cure-dent. Avec le cure-dent, on va aller percer la saucisse. Je prends le cure-dent et avec le cure-dent, je vais percer les extrémités des saucisses. Donc je transperce. Chaque côté des saucisses, je mets un cure-dent. Ça va permettre au jus de la saucisse de s'écouler tranquillement et il va s'écouler ainsi tout au long de la cuisson. Et le suc de la saucisse va se mélanger petit à petit avec le bouillon et le poireau. Et c'est ce qui va donner un goût vraiment très très appréciable dans la saucisse au chou. Alors, pendant que je fais ça, vous me parlez aussi de cet ingrédient-là. C'est de la couenne de fromage que je vais couper en petits morceaux pour tout simplement l'adjoindre. Et c'est aussi une recette paysanne dans laquelle il n'y avait rien qui se perdait. Et ces choses-là, gentiment, vont aussi donner un bon goût à la préparation. Voilà. Voilà. Donc j'ajoute les saucisses directement à l'intérieur, comme ça. Elle repose tout simplement sur le poireau. On va couvrir le tout dans un moment. Et puis je prends les couennes et je les ajoute aussi à différents endroits. Et maintenant, je vais laisser tout ça pour à peu près 20 minutes, pendant lequel je vais bien sûr couvrir le tout. Je vais réduire le feu pour que c'est une cuisson à très basse, enfin à basse température. Et puis, je vais préparer les pommes de terre. Là, j'ai préparé les pommes de terre, donc l'ensemble saucisses et poireaux a déjà cuit pour à peu près une vingtaine de minutes. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Bon, le feu est assez vif, je vais le réduire. On remarque la texture des saucisses, elles ont enflé, c'est sous l'effet de la chaleur. Et on voit ici, juste là au bout, si je montre bien, on voit la saucisse qui coule. En fait, c'est le jus de la saucisse qui est en train de se mélanger avec tout le reste du jus. Donc maintenant, je vais ajouter les pommes de terre. Oui, avant d'ajouter les pommes de terre, j'aurais peut-être dû faire une chose, c'est tourner les saucisses.
sans les percer si possible. Et la seconde, la tourner. La chaleur est répartie un petit peu des deux côtés des saucisses. Voilà. Ça, c'est une opération qu'il fallait faire. J'allais presque l'oublier. Maintenant, je peux donc continuer à déverser les pommes de terre. Les saucisses au chou ont cuit, donc on va découvrir tout ça. Voilà, ça mijote tranquillement, les pommes de terre, la saucisse au chou. Tout a l'air pour le mieux, prêt à être servi. Un vrai repas d'hiver, à manger quand il fait bien chaud. Et puis comme ça, on transpire tous beaucoup, en fait. Faut surtout manger ça quand il fait froid dehors. Ça réchauffe, ça donne plein d'énergie.